vue au poulailler. Nous marchons sur des œufs. Les œufs de l'oiseau du temps. Chaque passage à leur proximité est un danger, une angoisse. Et un ange passe. Ils se nourrissent de votre indifférence. Car, malgré un regard furtif, vous ne les voyez déjà plus. Pourtant, ils sont là, dans les villes, dans les campagnes. Ils sont sur les réseaux sociaux, à vous épier dans votre dos. Ils rendent leur image persistante en restant à la vue de tous et se nourrissent de vos voyages. Je vous offre l'espace-temps. Eux vous l'imposent. Si vous en croisez un, je vous en conjure. Des yeux, prière de ne pas cligner. C'est très fort dans mes oreilles. Voilà. Bienvenue tout le monde. J'espère que tout va bien pour vous. Bravo aux filles du coup qui ont gagné 4-3. Merci du coup pour l'organisation Camille. Merci pour les commentaires d'hier Benzero. Merci pour les commentaires d'aujourd'hui Tanguy. C'était vraiment fun à suivre. Clairement, et puis merci les filles du coup pour les parties que vous avez proposées. C'était la joie, il y avait du fight. Sofonx n'a rien tué, je suis très déçu, voilà. mais j'espère que tout le monde a pu apprécier ce moment. Voilà, parce que moi je l'ai apprécié en tout cas. Voilà, donc le thé est fait. Il y a le cookie qui est là. Il y a Arsène. Non, je suis morte, oui, je sais. Tu n'as rien tué. La prochaine fois. T'inquiète, on compte sur toi. Donc, il y a Arsène qui est ici. Ouais, je crois que tout est à peu près en place. Donc, aujourd'hui, on va prendre une petite couleur bleu Tardis pour jouer Stunicolor. Pour commencer cette expérience de Don't Blink. Voilà, Don't Blink avec les anges qui sont complètement creepy dans la série Doctor Who, qui veulent vous toucher, et quand ils vous touchent, vous êtes transporté dans l'espace-temps, mais on sait pas vraiment où. Et c'est le bazar, et c'est absolument un ennemi incontournable de Doctor Who. Voilà, donc on va essayer de pas cligner des yeux et de bien se focus sur la partie. Donc vous allez voir une partie donc en noir et blanc qui sera en grand parce que c'est quand même un peu plus sympa, un peu plus friendly pour ceux qui regardent. Et donc moi la partie que je vais voir donc juste au-dessus du VS Arsène Lapin, donc Stéphane. Ok, donc si vous avez des questions, commencez. Moi je vais du coup plus du tout voir le setup. Mais j'ai mis donc le chat en pop-up et du coup je vais pouvoir alterner entre la partie et le chat sans trop de problèmes normalement. Ça fait une ligne sur deux sur le petit Goban. Ok, bah je peux pas vraiment le mettre en plus gros, mais de toute façon c'est juste pour avoir une indication de ce que je vois. Et bon, a priori, ce sera plus intéressant quand même de voir la partie et de voir à quel moment ça va commencer à craquer potentiellement. On part sur un settings de 45 minutes par joueur.
et 4 fois 30 secondes, peut-être 5. En règle japonaise. Et puis donc Stéphane Kuhn est un joueur 3ème dan de Paris, qui a fait des sacrés bons résultats cette année, vraiment. On se connaît depuis quelques temps, qui est assez fan du Nicolore, de Blingo aussi, où il essaye de tirer Camille pour jouer du Blingo par coordonnées, je crois. Mais ça va pas beaucoup, pas très bon pour le moment. Mais donc là, voilà, c'est pour ça que je lui ai proposé cette petite Unicolore. Parce que avant qu'il y ait Camille, bah oui, j'appréciais déjà l'Unicolore d'abord. Mais c'est vrai qu'elle a remis un petit coup de boost auprès de tout le monde, je crois. Ok, donc je vais checker s'il est bien là sur la partie, et puis on va probablement commencer. Est-ce qu'au niveau de la musique, tout va bien? Au niveau du son, vous avez, ça va bien? Et si tout va bien, je vais du coup probablement aller sur la partie tout de suite. Pas trop fort, ça va. Ok. Ok, girls. Et du coup, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui n'ont pas eu l'intro, je remettrai l'intro à la fin de la partie et du petit commentaire. On est parti. Hop, on switch sur le deuxième bureau. Et donc, j'ai pris mes couleurs. Et voilà. Ceux qui veulent voir la partie, je peux aussi mettre dans le chat. Tac. Hop, je redis bonne partie quand même. Tac, salut Fichette. T'es sur la partie. Bon, on va pas pouvoir lire tes commentaires hein, sur la game. L'ange de la mort. Ouais, il est trop flippant. On peut faire du Unicolore sur OGS, je vous montrerai. Enfin, en fait, c'est juste en changeant la couleur, on peut juste changer la couleur des pierres, on peut mettre la couleur qu'on veut, donc c'est cool. On peut faire du Unicolore avec n'importe quelle couleur. Et on va reprendre. Bonne partie, Stéphane. Reprise du jeu. Reprise du jeu, c'est parti. Et on va commencer, simple. Ah, j'ai un double son. Tac tac tac. D'où me vient-il? Probablement. Probablement. Hop, je suis suspendre la partie. Petit souci de son. Ah ben c'est bon en fait. Reprise du jeu. Hop, je vais juste prendre l'onglet muet et puis on sera bien. Voilà, c'est parti. Oh, on fait un petit coup comme ça. Ok. Donc on va apprendre, vu qu'il a fait un komoku, on va tout de suite approcher bas, ça paraît legit. Et puis petite extension, ou alors tout de suite la prise de l'autre côté, ça peut être une bonne idée aussi. Extension, prise de l'autre côté, approche, j'aime bien, approche haute. Comme ça, si vient de ce côté-là, je vais juste faire l'extension et puis solidifier un petit peu d'écoute. Ça paraît normal pour le moment. Est-ce que ça va, vous, de votre côté? Cette voix, comment ça? Flo, il est super flippant. Qu'est-ce que tu me racontes sur le désespoir? On va faire les séquences à la mode. Si on les connaît, hein, évidemment. Hop. On fait un beau petit pâté pour le moment. Ça fait un petit pâté de 6 là. Ça commence bien, moi je vous le dis. C'est un peu comme si j'avais fait un Samsung, j'ai l'impression. Normalement là, blanc va venir en B3.
Moi, faut que je vienne en F4. Voilà, c'est ça. Il faut que je vienne en F4. Ici, noir blanc connect. Ça va être un peu compliqué sur les couleurs. Bleu connect, voilà, bleu connect. Et gueule de tigre en G3. C'est la séquence pas mal jouée maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il va vouloir couper? Couper en F3, c'est pas une super idée. Voilà, c'est pas une super idée. Parce que je vais simplement prendre la pierre, je pense. C'est quelque chose que j'avais déjà vu, je crois, dans une partie, donc commenté par. Je connais pas tes joseki canadiens qui me dit. Mais non, c'est juste classique maintenant. C'est New Age. Alors qu'est-ce que je vais préférer faire? Il y a toujours donc la coupe elle reste présente ici. Je peux lui laisser. Je peux prendre le coin simplement. J'hésite à faire un Atari d'abord, mais il paraît qu'Atari c'est pas un bon coup. Qu'est-ce que je vais prendre? Faire celui-ci simplement, je pense. Là, s'il connecte simplement, je vais pouvoir faire G3, donc il va jamais me laisser G3 a priori. Et je vais pouvoir prendre cette pierre tranquillement en B4. Ouais. C'est le Bongoban à gauche. Comment ça? Vous voyez. Vous avez pas le Bongoban à gauche? Me mets pas le doute, Camille, parce que je vais devoir regarder le Goban sinon et ça m'embête. Est-ce que. Arrête de me mettre un doute comme ça là. Non, c'est juste que je cherche si c'est Joseki. C'est pas Joseki. D'accord, donc il fait ça. Étonnant. Et du coup, je prends la pierre. C'est très agréable de prendre cette pierre. Il va gagner cet Atari. Enfin, il va descendre et gagner un Atari en F5, mais c'est pas très agréable en fait. C'est rigolo parce qu'il y a. Il y a Olivier Claire qui m'a joué dans. Bon, on a fait une blitz. Dans la blitz de Simon, là. What? Alors, j'ai bugué. Merde, j'ai déjà bugué. Ah, merde. Oh là là, c'est cata. Ah, c'est cata. Ah merde, faut que je reprenne tout ce que j'ai. Merde, je suis complètement à la rue du coup. Oui, cette pierre est à moi là. Non, cette pierre est à moi. Oh le bordel. Putain, comment j'ai pu me flanter direct là? Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Merde, je me souviens plus de son move du coup.
Oh le bordel. Ok, donc j'ai fait ça. J'ai approché son Komoku. Ah mais putain, c'est... Ouais, c'est lui qui est venu en dessous. Je vois pas les derniers coups, du coup j'étais dans mon autre, dans une autre dimension. Ok, donc ça va peut-être se terminer très très rapidement cette partie. ça n'a aucun sens. Donc cette pierre est à moi. Ok, cette pierre est à lui. Merde alors, quel coup. Du coup, c'est quoi ce bazar? Ah là là là. Est-ce que je suis autorisé à regarder les derniers coups? Non, ça n'a pas autre sens. Ah putain, j'ai complètement bugué. Oui, j'ai approché haut, j'ai pas approché bas. Dans ma tête, j'arrive à approcher bas et du coup. Bon, on replace. On enlève toutes les pierres. Il y a juste cette pierre. Je suis venu là. Il est venu là. Moi, je croyais que c'était ça. Donc, je suis venu ici. Il a coupé. J'ai fait ça. Il est venu là. J'ai fait tac. Ensuite. Ensuite. J'ai fait la gueule de tigre. C'est ça. Du coup, dans... j'ai fait Atari, en fait. Ah non, j'ai fait... Ouais, c'est ça. J'ai fait ça, il est venu là. J'ai fait ça, ça, ok. Bon, c'est intéressant. Non, cette pierre est à moi. Qu'est-ce qu'elle fout là, ma pierre? Ah, ça n'a aucun sens. Ok, je crois que je vois à peu près. Dernier coup, c'est... Pop, pop, pop. Je sais plus, je suis à qui F2. bordel. J'ai tellement bugué. J'ai tellement... Je sais plus à qui est F2. Ça n'a pas de sens. Ok, merci. C'était à moi.
J'ai déjà bugué, c'est pitoyable. Je sais juste que du coup, cette pierre sont à moi. Ok. Voilà. Au moins on sait. Ah, c'est un désastre dès ce début de partie. Bah ouais, non mais c'est ça, c'est... Allez. Et on va se refaire cette séquence. Ça lui fait pas un petit coin. Ouais, non, mais j'ai déjà fait trois parties en unicolore en même temps, mais sur des gobades, et je sais pas. Là, ça me perturbe quand même vachement. Ah, erreur lors de l'envoi. Qu'est-ce qui me chante? Mince. Ok. Pardon. Petit souci internet. Ça devrait revenir. Bon, comme ça, vous pouvez voir que je triche pas, bon, a priori. N'a plus envie de faire ce genre de truc là. Alors oui Camille, il faut déjà faire P12, il paraît, et puis ensuite ça va, mais je sais pas, petite affinité avec ce coup-là. Force. Ça peut nous pousser. Est-il autorisé à jouer là? Patience. Oh, ça c'est cool.
Il me laisse la coupe. C'est intéressant. Existe-t-elle vraiment? Elle n'existe pas. Ben, je vais la jouer quand même. Fais pas de liberté, hein. J'ai 3 libertés. Ce qu'il veut. Montre-moi ce que tu veux, mon petit Stéphane. Trois libertés. Deux libertés. Score. Je vais vous lire un petit peu là. Non, est-ce que je sais pas pourquoi il réfléchit, j'ai eu peur, il faisait petite semblante. Bon alors, on a mis 45 minutes, mais a priori on joue chouille plus vite là. Donc il protège. Et je vais connecter. C'est le moment de venir ici. On va pouvoir tourner, ça va rendre Sente, donc il faudra qu'il aille en quelque chose comme R6 par exemple. À moins qu'il veuille tout de suite terminer ses problèmes et venir en O10, mais je pense pas vu comment il attaque. Blanc c'est le plus meilleur. Merci. Bah du coup j'abandonne hein, si c'est le plus. Bon, faut que je check moi ces merdes là. Ah, c'est chiant, on voit pas qui. Ok. Je joue là. Oh, il a lu le chichois déjà. J'ai S19 pour faire un œil déjà, c'est cool. Et j'ai déjà pu noter. On voit pas les couleurs. Alors nous, ce qu'on voit, c'est le petit truc. On voit tout bleu. Voilà, nous on voit tout bleu. Vous voyez les couleurs. C'est ça le truc. Ah, mais où est-ce qu'il joue là? Là, il me permet de sortir comme ça, mais ça me fait grossir un peu ça. Si je commence par là, est-ce que j'ai le droit? Bon, alors, on se calme. Mais j'ai l'impression que il a un petit problème. Si je fais un Atari là, et que je descends, il a deux problèmes, ouais. Donc là, j'ai droit de venir ici.
faudrait que je commence tout de suite à jouer R6 potentiellement. Mais j'ai pas le droit parce qu'il fait Atari en P6 directement. Donc il me faut jouer un Atari ailleurs. Il faut que je fasse celui-ci d'abord. Ensuite, j'aurai P6. Donc là, il connecte. J'aurai P6 qui réveille soit P10 pour capturer les cailloux. Soit R6. Voilà. Finesse, délicatesse. Mais oui, on s'amuse vachement mieux comme ça. Vous voyez? P6 est un coup. Oh, j'ai pas pris mon cookie, c'est pour ça. Ok. Il y a un putain de chichot. Hein. C'est la merde. C'est tellement la merde. Ok. On va défoncer. Il m'a défoncé. Ok. Bon. C'était mignon, mais je crois que c'est déjà la fin. Bon, c'est très choupi quand même. Mais j'ai vraiment pas beaucoup de liberté. Donc est-ce que j'abandonne ce groupe tout de suite? Et j'essaie de sortir dès maintenant pour lui agresser son groupe au-dessus, qui est quand même assez fort, hein, faut le dire. C'est possible. Ouais, hein, je crois. C'est chiant de lui laisser ses cailloux quand même. C'est un peu chiant. Du coup, je vais commencer là. Ouais, on va commencer par étapes. Hein. Bon, alors, s'il prend ses 4 cailloux, c'est gros. Ah, ça m'a perturbé ce début. Je sais pas pourquoi j'ai cru avoir. Je sais qu'il y en a bien. Non, c'est pas du. Truc de départ. Pas ça du tout. Ouais, va falloir reprendre l'entraînement. Ah, j'espère que c'est pas trop. Ça vous fait pas trop mal de voir ce qui se passe. Moi, ça me fait un peu mal de pas le voir en tout cas. Ouais, hein. Bon. Alors. Qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16. On va jouer celui-là d'abord. Ouais, il mange des gros pâtés, mais pour l'instant, ça se joue.
Ah, mais c'est chiant ça. Ok, il vient là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le problème. C'est vu que je switch avec la fenêtre de chat, quand j'entends le coup qui joue, c'est un peu relou parce que je vois pas les pierres qu'il met quoi. Well. Eh ben, comment on joue là-dessus? Vivre, d'abord. Mais est-ce que c'est suffisant? Franchement, j'ai des gros doutes. On va connecter. Et puis, on va patienter un peu. On va patienter un peu. On va jouer assez rapidement, je pense. Là, j'ai envie de couper. Parce que merde. Je peux pas le laisser tout faire. Facilement, vous voyez, mais faut que je fasse gaffe à mon nombre de liberté qui est quand même un peu restreint. Je vais quand même solidifier pour le moment. Ok, allez, tout de suite dans le non-œil. Et donc ça c'est à lui. On va pousser un peu. Il y a sa pierre en K16 que je vais essayer de progresser un petit peu. Pour l'instant ça va être à peu près tout hein, parce que ces pierres là en de P6 à machin 8 c'est pas fou. Ici. Et la connecte, ça paraît chill. Sans trop de problème. Et donc, bah, il va avoir une petite base. Ouais, ok, soit. C'est pas grave. Alors, ici, il y a ces pierres-là. Ok. Ça fait des formes vraiment pas très belles, hein, je pense qu'on est d'accord. Ah oui, il a connecté, donc il a le droit de faire ça. Ces cailloux-là. Ces cailloux-là, c'est à lui. Un peu chiant. Bon, bah, je vais courir. Oh là là, quel Alors, on va regarder un peu le chat. J'ai sauté, je regarde juste tac, 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 ok. On va prendre un stage unicolore à Sherbrooke, clairement. Clairement, en espérant que ce stage ait lieu, j'espère pour vous. Avec super logo là. Alors, ça c'est intéressant. J'ai envie de le faire faire des coups qui sont pas bons. Mais ce sera pour plus tard. Il veut couper là. Ok. Je vais connecter. Crois que je connais. Faut que j'aille aux toilettes. Donc, on reprend. Mes pierres sont là. Soit.
Soit, soit, soit. On va essayer de prendre un petit peu plus grosse. Mais pour l'instant, clairement, on n'a pas d'œil. Hein. C'est le gros problème, d'ailleurs. On est d'accord. Est-ce qu'on lui laisse ses cailloux ? Non, on veut prendre plus gros. Ça va nous causer de la perte, hein, je suis d'accord, mais... Il va couper, je vais jouer en J15. Il peut pas me laisser connecter comme ça, je pense. Oh, où est-ce qu'il a joué ? Il a étendu, ok. Il mange juste des cailloux en fait, il fait pas de faire le tirage Rigo. Mais si je vais obtenir ce premier badge plus tard. Ah. C'est pas en bonne voie, c'est un peu chaud, donc j'imagine. Enfin, j'imagine que vous allez me voir courir un petit peu longtemps sur cette game. Faudra me pardonner. Bon, l'idée c'est d'aller chercher la pierre en P3. Et réussir à limiter un petit peu la casse. Mais j'ai pas l'impression que. Enfin, si. Voilà, si jamais je réussis à vivre sur toutes les pierres pourries que j'ai au centre, je pense que ça va! Je pense que ça va. Ouais, en fait, il faudrait deux trucs. Il faudrait qu'il joue pas en N4, par exemple. Oula. Ouais, parce que là, on n'a pas d'Atari. On n'a pas d'Atari sur ces cailloux. Bon, on va jouer ici. Ça va être efficace. Et toujours pas vu là. D'accord. Toujours pas un œil en fait, je pense. Bah, faire un œil, ça sera pas difficile parce que je peux jouer S7. Donc là, faudrait que j'ai un œil dans cette zone et faudrait que je réussisse à faire un sacré petit coup par ici. Ah bah non, 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 N7 c'est pourri parce que du coup c'est. C'est enlevé par... Ça c'est cool. Le jupe et ma pierre en P3, je vais essayer de les aider un peu en même temps. Bon, il a une grosse force sur tout ce qui est le mur là entre L15 et K6. Et puis voilà. Je vais essayer de garder ça en mémoire et puis je vous laisse pendant 2 minutes. A tout de suite.
Bon, alors. Tac, tac, tac. Est-ce que vous pouvez me donner l'intersection du dernier coup? J'ai fait le jump. Il est pas venu là. Tac, tac, tac. Ou il a pas joué? Non, si, si, il a joué. Que mon pote regarde pas le stream. Non, je pense qu'il va pas le regarder. On va faire confiance un peu, non? Merde, par contre. Là, il y a ça. Là, il y a ça. Ok. Ok. Est-ce qu'il a joué? J'ai fait le jump en L4. Est-ce qu'il a joué à partir de... Non, pas l'impression. Il me dit que c'est la pierre avec la marque dessus, mais moi j'ai pas les marques dessus, ce qu'il me raconte. J'ai comme l'impression qu'il veut me diviser. Mais ça n'aura pas lieu. Enfin, je crois. J'ai peut-être une marque bleue sur bleu. Hein. Dans ce cas-là. L8, ouais, c'est sympa. Non mais je vous écoute hein, pour L8, c'est juste que du coup j'ai demandé aussi à Arsène. Qu'est-ce qu'il va nous jouer après? Est-ce qu'il est en train de lire L16 par exemple? Ce serait strong L16. Mais je
suis pas sûr que ça marche à cause de J15. Quoi. Si je joue. Ah, c'est chiant. Est-ce que je connecte tout de suite? Probablement, je vais pas connecter tout de suite. Peut-être qu'il faut connecter tout de suite. Je pense que je vais couper. Pour gagner un petit peu quelques coups. Il a une force de gros tarbin sur le centre, il n'y a pas à chier, mais... J'aimerais beaucoup avoir quelque chose comme D17 à un moment. Mais ça va me permettre d'avoir quand même... Enfin, là, j'ai pu solidifier un peu cette pierre en P3. Donc, c'est cool. Bon, alors, peut-être que je me plante complètement, hein, déjà, sur le coin aussi. J'aimerais tout avoir, oui, mais... Ok. Donc, il fait un point Noki, ok. Et je connecte. Enfin, il va étendre la pierre, probablement, je connecte. Voilà. Bon. Ça va. Un peu mieux que ce qu'on pensait. Ça va couper? Comment ça? Où est-ce qu'on coupe? De quoi ça parle? De quoi ça parle? Je suis pas d'accord. En M machin là? Non, ça coupera pas. Ça coupera pas. Parce qu'on n'est pas d'accord. Et on va solidifier le tout pour montrer qu'on n'est pas d'accord. C'était sûrement pas la meilleure manière de faire. Soit. Par contre, là. Il a le droit. Il a probablement le droit. Cependant, je vis. C'est ça. Ok. Là, ça reste la vie quand même. Faut pas déconner. Ouais, bah le chat il est décalé de 12 secondes facile. 15, 20 peut-être. Je fais avec mes merdes aussi. Hein. On s'exerce. Il va probablement essayer de faire un petit truc, je sais pas trop où, mais de toute manière j'ai la connexion. Je pense qu'il veut peut-être créer un manque de liberté, mais je ne laisserai pas cette joie. Là je vis. Ok, donc il prend. Et il va jouer ailleurs, je pense. C'est pas si gros. Pas si gros. Donc, on va revenir en haut, je pense. Peut-être quelque chose comme C17 simplement, ça se ferait. Ça lui suffira. Et. Ouais, il a pris cash. C'est pas un nombre de points, il a pas à chier. Donc, alors, on compte. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. Ouais, il a quelque chose comme 40 points vraiment cash. Et moi. Ouais, ouais. Et moi. 1, 2. Ouais, du coup, un petit peu plus bientôt. Hop. C'est ça. Il va protéger le coin. Donc, ouais, c'est 40 points. Et je vais prendre ça. Donc là, ça fait gros quand même aussi. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon! Bah, je pense qu'il a carrément l'avantage parce qu'il va faire des points ensemble comme un gros fou. Mais c'est pas. Ouais, il va viser la faiblesse tout de suite en CD11, probablement. Ça me ferait chier parce que, ouais, il a juste de la force partout, quoi. S'il la vise pas, il va gagner des points autrement et je pense qu'il est bien de toute manière. Faut que je retrouve un petit peu ce coin en bas à gauche, il m'embête ce coin en bas à gauche là, je sais pas trop où est-ce qu'on est. Je regarde les commentaires. Décalage du chat, toujours. C'est chill, je vais chercher mon eau chaude. Parce que sinon, ça va brûler. Faut déjà te brûler, là c'est presque en bas. Hop, incendie en direct Twitch. Ouh. Ok, alors. Ok, il veut simplement faire ses points. Mais du coup, je vais tout de suite corriger la faiblesse. Et. Il fait vraiment des points par là. Mais moi aussi, en vrai. Donc c'est assez agréable ce qu'il est en train de me proposer, parce qu'il m'a protégé ma faiblesse, et maintenant que j'ai fait mon coup en J15, bah, je vais pouvoir faire émerger des points aussi en fait. Et là il est en train de me donner un bord conséquent quand même aussi. Donc je vais commencer avec ce genre de coup, et je suis plutôt content de ce qu'il m'offre, donc je vais probablement juste tourner, ça me paraît très gros, c'est très très gros, et faire un petit atari, parce que ouais, non, c'est très très cool ce qu'on est en train de faire. Il me dit c'était la séquence, bon, on fait semblant de fermer nos moyaux. Ouais. Le mec, pas voulu. Ok, et eh ben moi je vais le fermer, parce que ça m'intéresse quand même. Ok. Il fait des points aussi, mais j'ai l'impression que c'est trop bien pour moi, quoi. C'est agréable quand c'est trop bien. Bam bam bam. Allez, on prend. On prend, c'est cash, c'est. On aime. Pour une fois, on va faire un Atari. Avant les trucs qui restent. Et en fait, on arrive sur la fin de partie tranquillement. Hein. Et j'ai fait du cash. Pouh. On aime, on partage, on compte, ou pas. C'était un peu inattendu, tout ce cash. Mais bon, on va quand même compter, on va arrêter de s'enjailler trop rapidement.
Mais là, ça fait genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 par là, donc 50, 62. 62 plus. Plus... Ah non, c'est lui qui a le commis, putain. Ah, il a le commis, bazar! Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Ouais, ok. Bon. On s'est peut-être un peu trop enjaillé quand même. Bah ouais, mais c'est une partie de Go, le Go ça se compte. Le Go ça se compte. Je vais lui demander, à vous, toi tu comptes aussi. Mais il y a du gros yossé dans le sur le bord. Genre T machin là, T6 par là. Peut-être même S7 est plus gros. Je pense S7 est peut-être plus gros. Avant de jouer D8. Et il est bon. Ouais, je vais. S7 est le plus gros. Allez, petit yossé de fin de partie là. C'est quoi le coup le plus gros, à votre avis? Hey, salut Mathieu! Et oui, ça stream. Ça stream encore, je pense. Juste le yossé. Sauf s'il y a un truc qui meurt. Genre comme si par hasard je joue Pélisse et puis il répond ailleurs, je sais pas. Il y a toujours ce coup, hein, s'il joue. Il faut vraiment que je fasse attention quand il joue, quand il prend les pierres, parce que ça. S'il prend les pierres en O6, ça réveille vraiment la coupe en M7. Donc voilà, je me mets les petits garde-fous. Où qu'il a joué? Ah, c'est chiant de pas voir. Où qu'il a joué? Ok, il a pris les pierres. Technique de Sioux. En fait, s'il joue S7, ce qui est chiant, c'est qu'il peut prendre, enfin, les 4 pierres. Et c'est sente, donc je peux pas vraiment gagner quelque chose. Donc je vais faire quelque chose comme la glissade de singe ou une connerie comme ça. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai fait ça, ok. J'ai fait l'Atari, il a connecté, ok. Donc on est, ok. Il a tout ça. J'ai ma pierre toujours qui est là. Est-ce que je peux obtenir quelque chose en jouant de ce côté? Un Atari est toujours. Un Atari. Un Ponoki est toujours agréable, mais comment avoir la meilleure façon? Et puis à qui est cette pierre en satané F7 là? En F4, pardon. J'ai envie de le savoir, donc on va faire ça.
pense qu'il veut réveiller des trucs avec, avec H15 quand il est venu en, en J13, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Donc là. Ok. Je fasse attention. Faut que je fasse très attention. J'ai vraiment envie de couper. Mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Donc je vais couper. C'est une bonne idée, vous pensez? Non, c'est pas une bonne idée, hein. Mais j'ai vraiment envie de couper. Allez quoi. Ok. Du coup, c'est un peu pérave ces échanges. Si je coupe pas, c'est pas drôle. Du coup, ce qui va être plus gros, on va commencer par là. Donc, il y a toujours pas de coup. Ok. Il va sûrement essayer de trouver un truc qui protège à la fois Q2 et en même temps machin. Mais du coup je le réserve pour plus tard. Je mets juste un coup. Et probablement je vais faire R2 juste ensuite. Ou alors je fais déjà Q8. Ouais. Je vais commencer par T8 et ensuite je vais prendre R2. Voilà, ça c'est le bon rythme. Bim. On est sur du Yossé. Toujours. Je prends le caillou ou je connecte. Je prends le caillou, je connecte. Je prends le caillou. Je connecte. Je prends le caillou. Je prends le caillou. Caillou c'est gros, on n'a plus d'embrouille. C'est bien. Plus d'embrouille, c'est bien. Donc, probablement, on va juste revenir en C6 après. Ça dépend de ce qu'il fait. Mais ouais, je pense. C'est quoi le plus gros là? C6 ou B6? B6. B6, c'est pas si gros cette pierre. Ah, il vient là. Ok, ben je connecte. Ça c'était bon pour moi. Ok. Je peux toujours venir ici, je crois. Donc on va y aller. Et c'est l'heure du Yossé. À nouveau, ça fait 300 coups déjà que c'est l'heure du Yossé. On en est où là, des games, de la game? Il y a un gros centre, il a des pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Fair enough.
beaucoup trop de pierres, il n'y a pas de coupe en E12. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? C'est la partie la plus hardcore. Mais vu que j'ai abandonné toutes mes pierres au début de partie, bah, je m'en fais plus, c'est chez lui, il s'embête tout seul. Voilà. Bon, J2 va commencer à être gros. Et puis en fait, je peux clairement jouer S5. Il m'a laissé S5. C'est bon ça? C'est très très bon. On aime. On aime, on aime. Bon, vous en pensez quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez... Non, bah, dire qui vous préférez, ça va me donner des indications. Non, bah, je vais compter de mon côté. Hein. Qu'est-ce qu'on peut checker? C'est quoi le plus gros du coup du plateau là? Tac tac tac. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut couper en B7. Non. Je sais que tu regardes ça, il veut jouer B7. Je lui refuse. Simplement parce que je n'ai pas de problème. J'en ai eu. Et du coup, ouais, non, c'est ça. Voilà. Simple, efficace, je joue B7. Boum. Boum, bébé. Bon, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 x 2 plus 7,5. Ok. Donc 32 x 2, ouais, ça. Donc 64 plus 7,5 moins 1, donc on va faire du 70. 70. Ok. Et puis moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29. J'ai vraiment pas assez. Ça se joue. Merci pour le follow, by the way. Je ne sais pas qui, du coup, je peux pas checker, mais bienvenue sur le stream et puis merci pour le follow. Bleu. C'est Bleu qui gagne. Ouais. Ouais, on la connaît celle-là. Peut-être pas avec Bleu. On reconnaît le Bleu Tardis. Hein. Merci, merci Sofonx pour ce petit conseil beauté. Alors j'ai réfléchi et je ne peux pas en effet jouer C5, S5, parce que je vais me mettre en Atari si je joue S3 à un moment. Ce serait dommage. Je jouerai néanmoins S5 à un moment parce que ça me fait gagner un petit dossier. Est-ce que c'est intéressant? Peut-être pas en fait. Peut-être même pas. Donc là, il vient là. Ok, donc il veut gagner ses cailloux. Je ne veux pas qu'il gagne ses cailloux. Et ok, donc là, il est parti sur ça. Depuis
réfléchir quand tu joues, mais pas quand je joue. Oh ouais. I had no idea. Il veut vraiment couper partout. Donc... Ouais, solide. Hein. Ah, juste connecté. Oh, c'est chiant, je vois pas. Montrez-moi où vous jouez. Bon, je remets juste le dernier coup parce que c'est... Ok. Soit. Donc là, il va prendre cette pierre. Qu'est-ce qui est le plus intéressant maintenant? Probablement... Ah oui, il veut couper ici, c'est ça le deal. Donc, s'il veut couper ici... Ok, il va vouloir combiner un truc avec H, E16. S'il fait E16, en fait... S'il fait... J'ai l'impression, hein, je suis peut-être complètement dans les limbes du n'importe quoi. Mais il semblerait qu'il y ait quand même un petit truc... Avec la coupe en F13 et quelque chose du côté de H15. Donc, peut-être faire attention et connecter solide. Parce que sinon, il va y avoir des coupes qui vont réapparaître probablement. Et on n'a pas envie. On n'a vraiment, vraiment pas envie. Donc, solide. Solide. Ok. Ah, il coupe quand même. Attends. Alors, moi j'ai fait Atari ici. Ok. Fait Atari. Merde. Bien de jouer. Oui, d'accord. Ça me perturbe vraiment. Mais a priori là on est tranquille. Bam, je vais juste corriger mes formes tranquillement. Bam. Ça, c'est vraiment un inconvénient. Faudra que je regarde un peu les différentes couleurs. Parce que c'est vraiment un inconvénient de ne pas voir le dernier coup. Et ça fait switcher le regard. C'est un peu trop profond. Ouais, mais en fait, pour le... Ok. Ouais, encore. Peut-être le bleu tardif, c'est encore un petit peu plus noir. C'était pas mal pour le contraste, celui-ci, je trouvais, mais... Peut-être un peu plus noir. Et salut Birache. Est-ce que Yanis est arrivé de Dan? Oh, salut Cyril. Toujours en stream. Et c'est à Arsène de jouer. C'est une unicouleur noire. Bleu. Bleu? Quoi? Ouais. Alors le mec vend des lunettes, mais il est pas capable de voir du bleu. Hein. Non, mais c'est... Moi, j'aurais pas confiance en direct live. Cyril, vendeur de lunettes. Ah, non, mais c'est l'angle de l'écran. Hein. Oui, ce coup était très gros. Ce coup était très gros. Je réponds. Atari. Et je vais capturer le caillou. Je pense qu'il est devant. Quand même.
C'est vrai que ça fait pas de bruit quand il joue. Je sais pas trop pourquoi. Faster than you can believe. Allez, don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. The faster than you can believe. Don't turn your back. Don't look away and don't blink. Merci Creatures pour cette belle phrase. Elle est tellement flippante. J'espère avoir pu mettre un petit peu d'angoisse sur l'introduction. Pas dans ma partie, ça c'était l'angoisse aussi. Mais plus dans la petite intro MP3. Cet épisode, il est fou. Tous les épisodes avec les anges, ils sont absolument dingues. Ok. Je vais. Je veux pas de problème. Je vais simplement faire Atari. Ok. Voilà. Potentiellement ici, il était venu par là, donc il répond. Et t'as intérêt à répondre, mon ami. Comment s'étaient déroulés ces petits trucs? Ça. C'est... Oui. Un site. Ok, là on est comme cela. Et quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir serait le coup en T16 en fait. J'ai l'impression que c'est cool. J'ai l'impression que c'est dément ce coup en T16. S'il répond pas maintenant, ce qui n'arrivera pas, T16 est très très cool. C'est chaud, mais bon. T'as des bonjours de tout le monde, Cyril. Ah, ici il est 13h36, donc ça laisse une petite après-midi tranquille là. Nous, ça va bientôt être l'heure de manger pour une partie de l'auditoire. What? Il est venu dedans? Je suis pas fou, hein? C'est le moment du coup. C'est potentiellement le moment du coup. Est-ce que je prends juste? C'est déjà un gain. Est-ce que...
que je coupe la partie magique? Il me raconte, la partie logique et raisonnable de mon cerveau me fait savoir qu'il n'y a absolument aucune justification rationnelle pour jouer le coup que je viens de jouer. Très bien, mais soit. J'ai vraiment envie de jouer T16, mais j'aimerais bien lire simplement. J'aimerais bien lire simplement ce qui se passe. Donc je vais jouer T16, et ensuite je vais lire. Est-ce qu'il veut, il veut m'enlever mes libertés? Ça n'a pas de sens. Sérieux, j'ai pas assez de liberté? Non, j'ai assez de liberté, on oublie. Donc, il vient ici. Ok. Je peux pas. Je peux pas, c'est chiant. Je veux. Laisse-moi jouer. Vas-y, tu me saoules. Ouais, y'a rien. Peut-être que c'était juste pas T16, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait... Peut-être c'était S16, mais il vient là, ensuite je fais Atari, et en fait non, il n'y a rien. Donc je vais simplement prendre cette pierre ou jouer... Simplement prendre cette pierre. Hein. C'est déjà cette dé. Ou jouer ça. Non, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas approcher. Donc je vais prendre la pierre. Ça reste pourquoi pas. Ça reste pourquoi pas alors. Donc ça reste pourquoi pas. J'ai l'impression que j'ai manqué un truc quand même. Je veux bien avoir votre avis, mais j'ai l'impression que j'ai manqué un truc. Il n'y en a pas qui font du sans-un-wiki en tabarnak, là. Sans-un-wiki unicolore. Ouais, il bloque, il a bien raison. Le saligo. Ok. Qu'est-ce qui reste? Il reste pas grand chose. Ça c'est pas. Je vais le faire. Ok. J'ai envie de faire Atari, mais ça sert à rien, donc on va se le laisser pour plus tard. Je vais faire ça pour commencer. Peut-être que j'aurai A5. Je pense pas avoir A5 parce qu'il va le jouer. Mais c'est pas grave. Ok. On va prendre la caillou. Ah, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Ça c'est quelque chose comme un truc que j'ai pas joué là. Regardez, est-ce que c'est ça son dernier coup? Oui. Donc ici, ça s'est passé comment? Faut probablement que je solidifie ici. Je sais pas pourquoi. Ça c'est sa pierre. Ici c'est mes pierres. Il avait son caillou là. Ouais. Donc je vais simplement connecter, ça me paraît legit. What else?
Il est toujours en train de chercher un truc du côté de ses de D10, je suis sûr. Alors oui, c'est un chouïde qui n'a pas encore été pris, mais quand même. Il n'y a rien. Je me disais, il n'y a plus de musique là depuis quelques temps. C'est embêtant. Du coup, je vais en mettre. Hop, hop. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci pour le follow. On va y aller tranquillement. On va réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense être connecté. D'accord. Je pense être connecté. Parce que j'ai joué. Là, j'ai pris la pierre. Et lui, il m'a pas transpercé ici. Donc probablement, il faut juste jouer ça. Mais ici. Voilà, ici j'ai toutes les pierres de connecter, bam bam bam. Là, ok. Là c'est connecté, et là c'est un pâté connecté. Donc, on va juste... On va juste jouer un damé. J'ai vraiment envie de jouer un damé. Pourquoi j'ai envie de jouer un damé? Ça n'a aucun sens de jouer les damés. Donc on va protéger nos points. Je suis vraiment un froussard en fait. Alors je sais que j'ai une pierre quelque part qui a coupé des trucs, mais je sais pas où. Simplement. Simplement faire quoi? On a dit que c'était un peu dangereux quand même, quand on manquerait de liberté, parce qu'il y avait potentiellement rien. On peut lui laisser la pierre en P9. Du coup, c'est quoi le plus gros? C'est d'aller chercher par là. D'aller chercher à monter. C'est intéressant, mais c'est goûté. Il n'y a plus beaucoup de choses saintées, je crois. Je vais quand même aller chercher cette pierre-là. Ok. Et puis... Je sais plus exactement, mais je pense que ça c'est toujours intéressant. Ok. Ok, ok. Donc, on va connecter Chill. Je suis sûr il va avoir peur, il va rajouter un. Ou pas. Parce que lui, il a lu. Oh le mec, ouais ça se tient. Donc je connecte. Alors on va checker, il s'est passé ça. C'est rigolo, je pense vraiment qu'il y a des trucs qui s'étaient passés au centre, enfin qui auraient pu se passer au centre, mais là. Pff.
Alors, on va juste faire le Yosep épouse. Hop, on regarde, il a pris le caillou ici. Ok. Ouais, soit. Donc là, il est en train de me dire j'ai plus de liberté. Je vais lui dire c'est pas faux, j'en ai pas beaucoup, mais je vais quand même jouer ce coup. Il va juste avoir la capture en bas, ça me fait. Ah, c'est. Ouais, il a pas dit Atari, moi je trouve que c'est pas très fair. Ah, il a dit Atari. Et il connecte. J'ai pas besoin de connecter tout de suite, mais ça va vite venir. Donc, ce que je vais faire, c'est toujours gagner des points hein, qui sont plus importants avant quand même. Ça me paraît normal. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important là actuellement? Il y a ça qui vaut un petit peu. Là, il fait Atari, il le dit pas. Il y a ce coup. Je peux le faire tout de suite. Et ce que ça m'apporte, là c'est un point. Là c'est pareil. Je vais le faire tout de suite. Ouais. Atari. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là? D'accord. En désaccord avec ce coup. J'ai imaginé des choses, mais c'est tout. Et je pense pas que ça soit réel. De l'ordre du réel, réel là. Vous voyez? Tac, tac. Ouais. Il doit revenir et je reviens aussi sur mes cailloux. Ici. Voilà. Il va probablement faire C5 tout de suite. Bah, je suis pas d'accord, en fait. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il m'a lu? Ok. Là. Pas trop d'accord. Souhaite. Que fait-il?
Que fait-il? Je ne sais pas. Je vais probablement protéger du coup en sainteté. Ce sera pas sainteté. Je vais peut-être juste faire ça. Je pense. Il a trop peu de liberté. J'ai imaginé ça, mais c'était plus avec... ce qui m'embêtait, c'était J16. Hein? Ouais, voilà, c'est ça. Là, il peut faire ça, mais bon, c'est pas très intéressant. Du coup, je vais simplement connecter, je pense. Peut-être j'aurais pu descendre en B9 et ça me corrigeait ma faiblesse. Ouais, il peut faire ça, ok. Mais bon, il n'y a toujours rien. On est dans les derniers coups là. Je vais. S'il n'y a pas de points, pourquoi pas. Il a. What? Ok, soit. Ok. Pouf. Là, on joue pas bien, je pense que les quelques derniers coups, c'est un peu le calvaire. Poum poum poum. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qui est relou. Ok. Bon. Je dirais non. A priori. C'est ça. J'ai cette forme-là. Donc je fais ça. Tu veux combiner des choses, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça fonctionne. Ok, ça, c'est d'accord. Bah, je vais faire ça. Hein. Je crois que ça, c'est pareil. Je suis pas sûr. Ouais, bon, soit. Ah, ok. Il est descendu, ça, c'est ça? Je prends le cri de faiblesse. C'est ça. Sont du crit faiblesse, je fais quoi? Je souk ici. J'ai gardé les menaces, vous voyez? C'est dur à mettre en place, hein, mais c'est un con. Tout est possible. Ouais. Après, je suis un peu con quand même, parce que j'ai l'impression que ça va... En fait, le gros problème, c'est que il aurait eu déjà dû jouer là, donc je vais connecter.
J'ai plus de liberté de l'autre côté. C'est un gros problème, ça. Ça aurait pu être un gros problème. Well. Eh ben, zou, hein. Règle japonaise. Je vais connecter. Je devrais jouer P4 probablement. Pouf. En fait, il l'avait vu, il me disait attention depuis tout à l'heure. Le blanc gagne. Oh non! Oh non! Mais non! Mais non! Bon, bah t'as gagné de toute façon. Oh, c'est terrible, mais non! Pas vu le temps. Tristesse. Ah, c'est terrible. Bon, ouais. Bah, c'était compliqué, hein, de toute manière. Ah, c'est terrible, j'ai pas vu le temps du tout. Ah, zut, 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 zut. Mais c'est con, putain, au passe, quoi. Ah, c'est terrible. Je suis désolé. Bon. Ah ben, merci pour la partie Stéphane en tout cas. Désolé pour le fail de départ qui est terrible. Faudra que je fasse vraiment gaffe sur le dernier coup tout ça. Et puis on va regarder. Je peux dire sur 3 minutes. Ah oui, c'est 20h. C'est l'heure d'applaudir. Je vais remettre quelques couleurs. Parce que on est assez dans le vague là. Pouf pouf. Tac tac tac. Oui, c'est pas un coup que je pouvais jouer, évidemment. Merci. Je vais revenir donc sur la game. C'est quoi le score final? Perdre dans les damés, autant. Ouais, mais bon. Mais bon, j'étais bien perdant de toute manière. Il avait bien compté, le bougre. Donc je vais rebasculer sur la couleur. Un petit peu, pouf pouf. Du coup, tac tac tac. Poursuivre la lecture. Voilà, on poursuit la lecture. Ok. Donc, je vais faire la review et je vais envoyer le lien de la review. Pouf, réviser la partie, ok. Début du passage en revue. Et on va mettre la partie ici. Donc, ouais, au caminoté, j'ai perdu sacrément. Mais dès le départ, c'était un peu hardcore en fait, j'ai fait n'importe quoi. Parce que j'étais parti sur un autre Joseki. J'ai mis une pierre en approche haute et bref, je vous expliquerai un petit peu. Je vais juste mettre la game OGS grande, hop, on retourne sur un autre lien, terminé. Et voilà, so. Alors... voilà, donc cinquième coup de la partie, je me chauffe, et dans ma tête, j'ai fait ça, donc dans ma tête, il se passe cette séquence-là, et là, je vois qu'il coupe, du coup, je me dis, bah non, enfin, et puis, regarde, je vais avoir ta pierre, parce que là, tu peux me mettre en Atari, mais je vais avoir ça, et du coup, c'est cool pour moi, même si tu récupères ça, bah, ça, c'est quand même vraiment bon pour Noir,
Voilà, donc je me suis éclaté, j'ai explosé dès le départ, en mode, voilà ce qui se passe vraiment en fait, et c'est juste terrible. Potentiellement, je pouvais encore rattraper un peu en jouant ça, mais c'est déjà hardcore, quoi. Il est vivant dans le coin, sans rien, il a une influence de Tarma, et puis pouf, voilà, c'est... Ah, c'est tellement terrible. Bref, donc... mais moi, je me suis dit, tiens, je vais rajouter un coup. Parce que c'est plus fun, voilà. Donc après, je me suis dit, ouais, c'est... Ce côté-là, c'est de la merde. Et on a essayé de faire d'autres choses, quoi. Donc, a priori, en général, on va faire plutôt ce genre de truc. Et on peut pas vraiment faire ça quand on est blanc, parce qu'il y a quand même un petit peu de coupe. Voilà. Donc j'aurais dû protéger peut-être l'autre côté avant. Tac. On a envie de couper là, mais c'est compliqué. C'est compliqué, vraiment. Donc on coupe pas tout de suite. Mais ouais, il est assez incisif dans ses attaques, dites-donc. Et il n'y avait pas de... J'avais pas vraiment de coup spécial parce que tac 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 c'est le bordel. Et là c'est tellement chaud, je peux rien faire. Tac, il peut rajouter un coup. Je rajoute une merde comme ça, et puis là, juste tout capturer. Donc j'ai pas voulu ça, je me suis dit bah tant pis pour les pierres et on va essayer de faire ça. S'il vient là, évidemment, bah, c'est la capture de son côté en revanche. Donc il a juste joué simplement et puis voilà. Je rajoute un coup ici parce que c'est important pour aider un peu le groupe de 3 pierres en Q17. Si vous avez des questions hein, pendant que je fais le commentaire, n'hésitez pas. E1, salaire Tessouji. E1, ça peut... Oui, clairement. Je lui dis juste de rejoindre le Twitch s'il y va. Mais tu croyais quoi? Mais attendez, je crois qu'on s'est mal compris avec Stéphane et qu'il a pas joué en unicolore. Attendez. Mais non! Je viens de jouer contre un 3 Dan en unicolore, sauf que lui non, ça n'a pas de sens. Mais... Ah mais oui, si, en fait, c'était les premiers messages que j'ai envoyés, c'était pour l'unicolore. Ah, ça n'a pas de sens, mais en même temps c'est drôle. Ok, cool. Bon bah... On va quand même continuer ce stream et ce commentaire, mais oui, non, c'était... Ok, non mais c'est cool. C'est pour ça que je demandais les couleurs, en fait. Bon. Bon, il y a des affaires de coupe, mais bon, globalement, peut-être que je dois rajouter ça d'abord. Peut-être que je dois faire ça, mais en fait, je savais pas trop. Ça revient au même, hein, je dirais. Là, je pense que Blanc doit juste se prendre. Enfin, continuer comme ça, ça me paraît tout à fait logique. Bah,
Parce que là, là, ça me laisse quand même une forme un peu plus agréable. C'est peut-être chaud encore, hein, mais je pense que d'ailleurs c'est même très chaud parce qu'il a de la force de partout. Mais là, ce que m'a laissé blanc, c'était cool. Ouais, mais ton groupe du centre, en vrai, enfin, y a pas de problème, quoi. Y a vraiment pas de problème. Tu sors de ouf. Et quand tu veux, tu peux venir prendre la. Enfin, y a pas de coupe ici. Et du coup, t'as déjà un œil goté, mais t'as déjà un œil. Que vraiment, je pense que juste ça, c'est juste terrible. Bon, c'est déjà juste terrible de base, hein, mais peut-être t'as peur de des adjis qui peuvent demeurer dans le coin, mais je suis pas vivant. Il y a un côté où je suis pas vivant, quoi. M14 et CNT pour noir. M14 et CNT pour noir. Ok. M14 et CNT pour noir. Soit. Mais dans ce cas-là, t'as pas d'œil, ok. Mais t'as quand même vraiment de la force de ouf. Bon, surtout maintenant. Et là, je suis content de vivre. C'est quand même cool. Et bon, bah, peut-être que t'étais déjà. Potentiellement ici, en fait, il faut même aller un peu au-dessus, du coup. Je sais pas jusqu'à quel point. Peut-être jusque-là, même. Ça a l'air faisable. Ça casse un peu l'influence blanche. Mais bon, blanc a déjà quand même chopé des bons points, hein, y a pas à chier. Mais au moins pour faire peur, tout ça. C'était trop petit, en fait. Je m'aperçois maintenant en voyant que J15, c'est un petit peu trop petit, je pense. Te sépare de ta pierre en P3, en échange, tu vas aller vers tes pierres en E4. Vers tes pierres en E4, ouais. Ouais, mais c'est toujours pas. Enfin, il n'y a vraiment pas beaucoup de force, en fait. Donc là, petits échanges. Est-ce que je peux pas revenir là? Ouais, c'est chiant, je dois être tout rabougri tout de suite. Ouais, ok. Ça, c'est cool. Mais bon, là, t'as déjà compté, comme tu disais, et peut-être il faut que je prenne la pierre. Mais j'ai pas envie de faire ça en beauté. Mais c'est gros, mais ouais, je pense que de toute manière, là, t'es quand même. Malgré l'IOC, t'es tranquille, quoi. Et oui, c'est vrai qu'il n'y a pas S5. Dans ma tête, j'avais S5, mais jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie. Boum, boum, boum. Il voulait couper en B7. Ok. Et oui, en effet, plus tard, bon bah ça après, tac tac tac. Oui, là faut coup ne sert à rien, je dois connecter en fait. Je peux pas connecter comme ça par contre, hein, on est d'accord. Mais juste connecter. En M7, hein, y a vraiment pas de soucis avec ça, et puis basta. Mais du coup, je suis content de. qui se soit posé la question sur le l'unicolore ou pas. Et T15, c'est un point CNT pour noir, tout à fait. Ah ouais.
Ouais, ok, ouais, d'accord. Hop, d'ailleurs. C'est. Ouais, commande. Ici. Voilà, c'est plus joli comme ça. C'est plus mieux, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Faut que je joue comme ça. Mm-mm. Tu as entièrement raison. Mais voilà, du coup, ça met fin à cette semi-unicolore. Merci pour la game, Stéphane, quand même, c'était très édifiant, surtout ce début de partie foireux, où vraiment, vraiment, j'étais parti sur cette séquence. Pourtant, c'est moi qui fais l'approche, et c'est toi qui viens en dessous, mais ouais, j'avais pas ces trucs au-dessus, et du coup, j'ai complètement buggé. Ouais, j'étais parti là-dessus. Et à partir de là, bah, pff, ça s'est pas mal écroulé. Donc t'es très fort en unicolore, hein, Stéphane. Merci pour la laquelle. J'en reviens pas, c'est génial. Et puis, bah, bravo encore donc, aux filles, hein, je le répète. Là, ça, donc mardi prochain, je vais streamer. Ce sera quelque chose où je vais pas trop me prendre la tête, ça sera du blitz. Parce que j'ai un avion après, donc je rentre en France. Faudra voir pour dimanche prochain, du coup je serai dans une ferme. J'espère que la connexion sera bonne. Bienvenue chez nous, ouais. Ouais. Et du coup j'espère vraiment que ce sera possible de continuer. Alors oui, Paris, une petite pandémie sur le feu, je me tiens au courant, mais vu que je vais plus avoir d'appartement, je me disais que peut-être que j'allais rentrer dans une maison quand même, et peut-être à la maison en France, donc... Non, pas le même champ, pas le même champ que Astro 2. Pour Astrid, franchement... Donc je vais vous repasser l'intro là sur dans quelques secondes. Je vous laisse me poser les questions si jamais vous avez des petites questions. Et puis j'espère que ce stream s'est bien passé pour vous, sachant que j'ai complètement zappé de me brancher en Ethernet. Mais a priori il n'y avait pas de problème. Donc c'est tant mieux. J'espère que... Mais, ok, je vérifierai, mais je suis à peu près... Ok, je croyais vraiment t'avoir prévenu, donc désolé. Désolé pour ça. Mais désolé pour les viewers, du coup, qui ont eu accès à une partie de quelqu'un qui se faisait écrabouiller. voilà, donc bah, je vais vous passer l'intro à nouveau. Et bah, merci à tous à nouveau de... d'avoir écouté ce stream, et puis bah, à la prochaine, et enjoy l'intro pour partir. Allez, bye. Vu au poulailler. Nous marchons sur des œufs, les œufs de l'oiseau du temps. Chaque passage à leur proximité est un danger, une angoisse. Et un ange passe. Ils se nourrissent de votre indifférence, car malgré un regard furtif, vous ne les voyez déjà plus. Pourtant, ils sont là, dans les villes, dans les campagnes. Ils sont sur les réseaux sociaux, à vous épier dans votre dos. Ils rendent leur image persistante en restant à la vue de tous et se nourrissent de vos voyages. Je vous offre l'espace-temps. Eux vous l'imposent. Si vous en croisez un, je vous en conjure. Des yeux, prières,